pas beaucoup dormi, on est fatigué, mais c'est le dernier jour normalement. Aujourd'hui, c'est le jour J. Donc voilà. Là, on va partir faire nos essayages. J'attends les caméras parce qu'on va être suivi toute la journée par des caméras. D'ailleurs, ça va sortir sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez pouvoir tout découvrir. Et voilà. Regardez la vue qu'on a, elle est incroyable. On se lève, on a cette vue. Et le soir, on se couche avec le bruit des vagues. C'est incroyable. La famille, on vient d'arriver au showroom. Noémie, elle est super contente. Les robes, elles sont juste incroyables pour le coup. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles, beaucoup de choix qu'elle a essayé. Elle est juste incroyable. Je viens de réarriver au showroom. J'ai retrouvé Noémie. Elle va être incroyable ce soir. Vraiment. Et voilà, moi j'étais parti vite fait. Il me manquait un peu de papillon. J'ai acheté des nouvelles lunettes de soleil aussi. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que t'es belle, regarde-moi. Les amis, ça y est, on est prêt. Notre styliste, elle a fait un travail de dingue, sachant qu'elle n'était pas avec nous et qu'elle a eu 2 jours. Regardez-moi. Ah, ça y est, là. Regardez-moi cette bombe. Tu m'as mis un vent. Ma Cléopâtre des temps modernes. Les amis, du coup, on est parti. On n'a pas regardé toutes les représentations, c'était un petit peu long et. Bon, les amis, du coup, on est parti. On n'a pas regardé toutes les représentations, c'était un petit peu long et un petit peu ennuyant. Je suis honnête comme ça, je vous dis. Merci. Le film de James, apparemment, il était incroyable. Je l'ai pas vu, mais je vais aller le voir, c'est sûr et certain. Tu sens pas un petit peu mal à l'aise? Non, mal à l'aise. On n'a pas trop la tenue, on est sur la croisette là. Ça y est, c'est fini le festival. Et en plus. Les gens ils sont en tenue de plage. Mimi elle marche pieds nus sur la croisette. Avec mon albanais préféré. La famille, je vous explique. Je suis pas resté jusqu'à la fin avec Noémie parce qu'on avait un rendez-vous après. Enfin, on devait dîner avec du monde. Et du coup, on est parti plus tôt. Donc, je pars, je me rends au restaurant où on devait aller. Et arrivé là-bas, je me rends compte que j'ai plus ma pochette. Cette pochette, la famille, j'ai toute ma vie dedans. Quand je vous dis toute ma vie, mon passeport, mes cartes de crédit, mes cartes d'identité, tout, 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 tout. Et je me rends compte que je l'ai plus. Le palais du festival, il est tarpin grand en plus. Et une fois que t'es sorti, c'est la merde, tu peux plus re-rentrer. Putain, j'ai couru comme un dingue, je transpire comme un bœuf, je dois puer le mort. Les gens ils me regardaient trop bizarre. J'arrive là-bas, je leur demande ma sacoche, ils me disent quoi, on l'a pas trouvé. Je me suis dit, oh putain. Oh les gars, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est 2 mois minimum pour refaire tout l'administratif. Et là, je vois quoi? Oh, et alhamdoulilah, la famille, je vous jure, j'ai trop une bonne étoile. Je vois quoi? Il y a une meuf qui travaille là-bas avec son badge, je la vois arriver en courant avec ma pochette. Et elle me dit, va sur Insta, je t'ai envoyé plein de messages à toi et à ta femme et tout. J'essaie de vous appeler sur Insta, mais vous répondez pas. Donc, alhamdoulilah, heureusement déjà que la personne qui l'a trouvée, la meuf qui travaillait là-bas, elle me connaissait, elle connaissait ma femme. Donc, elle nous a écrit sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est elle qui avait mis de côté ma sacoche. Putain, j'ai eu la peur de ma vie, voilà. D'arriver à l'annexe. À l'annexe, after, tranquille. Voilà, on n'en peut plus, frère. On a